There must be balance in the universe. Such is the decree of the Charred Council, an ancient body charged by the Creator to preserve the very fabric of existence. But the balance has been broken. Even now, Earth smolders in ruin, fallen to the demon lords, and the Destroyer carves a new kingdom amongst his mighty chosen. Some say the Horsemen War triggered the apocalypse, that he rode to Earth unbidden and doomed all of mankind. But what of the other Horsemen, fearless enforcers of the Council's will? What of fury, strife, and death? To know those names, you must first know another. Nephilim, cursed union of angel and demon. The Nephilim have countless realms to pursue and burn them to ash. But four amongst them grew weary of the slaughter and feared their conquest would imperil the balance. And so a truce was made. The four would serve the Council in exchange for unimaginable power. Thus were the dreaded Horsemen formed, and the Riders' first task was to purge their own brethren from creation, to annihilate the Nephilim and destroy their souls. Let us now cast our gaze to one amongst the four. Not War, who lies chained at the Council's feet, professing his innocence, but one who would save his brother above all else. He has many names. Kinslayer, Executioner, tous, ici Darksiders pour vous présenter Darksiders 2. Donc attention, c'est un grand jeu. J'ai fait une petite partie déjà, donc un peu d'avance. Très 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 bon jeu. J'ai bien aimé le concept. Hein, c'est un gros jeu bourrin à la God of War. Et il y a aussi un mode gestion, un peu comme les MMO pour changer les armes, tout ça. C'est plutôt bien fait. Moi j'aime beaucoup, donc vous allez voir, vous allez me suivre sur cette aventure, j'espère que vous serez nombreux et on prendra toujours autant de plaisir. Et allez, c'est parti. Les musiques sont superbes. J'aime beaucoup, cet univers est vraiment super, enfin vraiment sympa quoi. Vous allez voir. Donc comme d'hab, hein, j'ai toujours en VO, mais c'est pas parce que j'aime bien les jeux, enfin les jeux en français sont mal traduits et tout comme ça, mais je préfère la version originale parce que les voix sont quand même beaucoup plus belles, c'est fait. C'est un peu normal quoi. Hop. Vous allez voir. Dès que je vais avoir tué tous ces méchants, normalement il va y avoir des armes sur le sol là. Comme par exemple des chaussures. Hop, on les prend. Je vais prendre tout ce qu'il y a à prendre. Tac. Hop, les gants de défense. Bon, je crois qu'il y a une meilleure arme que ça quand même. Je vois, c'est pas quelqu'un d'autre à tuer là. Non. Bon, ben voilà. Donc le mode de gestion. Nous voilà. Alors. Je me suis trompé. Donc pour changer les armes, voilà, je vais m'équiper de celui-là. Je vais prendre le gant de défense et les chaussures, gagner un peu de vitesse aussi et de défense. Donc voilà, le menu se présente comme ça. Donc ça, c'est un peu, on va dire, comme dans les MMO, des runes.
des améliorations de combat, des défenses, le moyen de nous allier de d'avoir de meilleures techniques. Donc voilà, aussi ça c'est nos alliés, on va dire ça comme ça, c'est nos alliés. Donc il y a un corbeau qui fait qui nous indique la route, et notre cheval que vous avez vu tout à l'heure, hein, pour aller beaucoup plus vite dans les grands chemins. Voilà. Donc, la forteresse obscure qui va nous apprendre à d'ailleurs, quand même, le gameplay est assez simple. Je pense que dans l'avenir, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, les armes qu'on a en double, hein, elles vont pas augmenter notre level. Vous avez vu à gauche là, à gauche en bas, sacrément gros son marteau quand même. Donc, voilà, encore un changement d'environnement. Je suis pas allé en bas, tiens, on va essayer de ah ben non, c'est d'être normal, c'est la route. Tous les éléments de défense qu'on a déjà, voilà, ça va s'afficher en rouge. On n'a pas besoin de le prendre. Donc, par exemple, les gants, ça peut être utile. Alors, on va s'équiper tout de suite. Voilà, guerrier à niveau. Et ça, je crois qu'on peut. On peut se mettre aux fesses parce que je viens de. Ah ouais. Ça sert à rien. Je me suis planté. Donc voilà, j'ai un peu bourrin, hein, là. Donc voilà, là j'ai une meilleure arme. Ah non, même pas, c'est pas celle-là. Donc hop, c'est parti, un petit peu de grimpette. Vous voyez, quand même, ça ressemble beaucoup à God of War, quoi, on peut dire. Ah, là,
donner, toi. Non. Ah ben un autre à dégommer, si. Ça serait bête de tomber. Allez, on va continuer. Voilà. Hop là, je crois qu'il va y avoir un boss. Il est gros le bébert. Allez, viens mon bébert. Allez, viens. Le géant des glaces. Oui, oui, oui. Aïe. Et voir ta queue. Et voilà. Un peu de pognon. Et les armes sont pourries. Je comprends pas d'ailleurs, j'avais une arme un petit peu meilleure que ça quand même. Bon, c'est pas grave. Le petit enchaînement. Bon, vous allez voir un autre truc qui ressemble énormément à God of War. Allez, voilà. J'ai des trucs qui sont exactement pareils. Moi, je trouve que les décors sont assez, assez ressemblants. Moi, j'ai hâte d'attendre quand même le prochain God of War. J'espère qu'il sortira sur PC, j'ai pas eu de nouvelles. Et j'ai hâte. Mais moi j'aime beaucoup ce jeu-là, les musiques sont très bonnes. C'est pas par là. Ça c'est fait. Dommage.
aller. Donc pour le moment, vous avez vu, ça se passe plutôt bien. Donc il y a quand même énormément d'imagination hein, pour les réalisateurs du jeu. Hein, je trouve que les décors sont plutôt bien soignés. Ça. You. Careful, Crowfather. I'm not here to put you out of your misery. Not yet. I know why you've come. Your brother, the one called War, he's been imprisoned by the Charred Council and awaits their judgment. For dooming the Earth. For mankind's extinction. Why should I care about your brother's fate? Because you know the truth. Your secrets can save him. The Council will condemn War. Strip him of power, let him rot in oblivion, to hide the truth. My secrets cannot prove his innocence, Horseman. No, but they can help me to erase the crime. Bring mankind back from extinction. Madness. If it's madness, then who better to show me the way? Should a way exist? You will find it here. Elles interprètent bien les personnages. Let me pass. Not yet. That which you gave me, you will take it back. In exchange for its secrets, you agreed to keep the amulet. No. The voices, they curse and threaten without end. They cry to return. You must destroy it. I cannot. You annihilated their flesh. Why do you guard their souls? Open the portals. Allez, ouvre ce putain de portail, on va faire un petit défonçage. While I live. So be it. Allez. Je sais pas, j'ai appuyé sur B sans faire exprès. Bon, tant pis. Allez, y'a Big Boss qui arrive. Je suis en train de me faire tuer. Allez, papy. Les animations sont super sympas. Allez, toi t'es mort. J'ai voulu faire ton malin.
let's die with you. Old fool. My secrets, but not yours. Voilà la première partie de Skyrim. Voilà, j'ai une petite excitation de voix. Donc, moi, ce jeu, il est vraiment. J'espère que vous me suivrez à fond. Parce que j'ai vraiment besoin de vous. Donc, voilà, ça ferait très plaisir. C'est, n'oubliez pas de laisser des commentaires, de laisser des petits messages super sympas. J'en ai eu des super. Je série complète de Skyrim, parce que ça c'est vraiment, je vais pas m'arrêter là, comme prototype, je vais pas abandonner, apparemment, ça ne me plaît pas, donc c'est pas grave. Skyrim, c'est, si vous voulez vous l'acheter, c'est un super bon jeu, très très bon jeu, vous pensez, voilà. Donc on va faire la petite intro et je laisse. Bah voilà, c'est fini. Allez. Allez à tous, bonne journée. Merci monsieur. Merci. Ah ouais, n'oubliez pas, j'ai ma page Facebook, ça s'appelle Tartian TV. Et je vous y attends de nombreux. Allez, salut.